Je vous salue avec force, avec joie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le Saint-Esprit a mis dans mon cœur de parler sur ce thème qui est le suivant. Nous sommes des juges. Et nous allons lire dans le livre de Matthieu au chapitre 7. Nous allons prendre Matthieu. Matthieu chapitre 7. Nous prenons donc Matthieu chapitre 7. Nous lirons du verset 1 au verset 5. Nous lisons, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Nous prions le Seigneur. Père éternel, que ton nom seul soit béni et élevé. Bénis ta parole, guéris les malades, ressuscite les morts, libère les captifs. Délivre les possédés, console les cœurs brisés, annonce une année de grâce, annonce la bonne nouvelle aux pauvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, il est écrit en Matthieu chapitre 7, verset 1 au verset 5, ce que nous avons lu. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi au verset 3 vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Ce verset-là, ce message de Jésus, cet enseignement, surtout le verset 1, a été détourné par Satan. Et il a pris le verset 1 uniquement. Et il a mis dans le cœur de tous les enfants de Dieu ceci, ce mauvais enseignement et cette fausse science qu'il ne faut pas juger. Et que les chrétiens ne doivent pas juger. Mais Jésus ne nous a jamais dit de ne pas juger. Satan a pris le verset 1 uniquement. Mais le verset 1 se poursuit jusqu'au verset 5. Et nous lisons tranquillement et clairement, mes frères et mes sœurs, que Jésus dit, après avoir dit le verset 1, il continue, car on vous jugera du jugement dont vous jugez et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Il dit, pourquoi tu vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille dans ton œil, toi qui as une poutre dans le tien, hypocrite? Ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil et tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus est en train de nous parler des hypocrites. Jésus nous parle ici des jugements injustes, c'est-à-dire de ces personnes-là qui dénoncent des choses qu'elles-mêmes elles font. Jésus est en train de parler des personnes qu'il traite d'hypocrites. Il dit que ces personnes-là ont un problème. Et le problème qu'elles ont, elles ne règlent pas le problème et c'est elles qui montrent du doigt le problème des autres. Jésus parle des critiques injustes et des jugements injustes. Mais Jésus ne dit jamais ici qu'il ne faut pas porter le jugement. Non. Au contraire, regardez bien ce qu'il dit. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, Jésus nous dit qu'il faut ôter la paille de l'œil de son frère. Mais il est impossible à celui-même qui a un problème d'aider l'autre. Il est impossible à quelqu'un qui lui-même marche dans ce qu'il dénonce. Il n'a pas le droit de dénoncer quelque chose quand lui-même il pratique la chose. Pour mieux comprendre encore, il y a Romains chapitre 2. Et l'Esprit de Jésus a parlé à l'apôtre Paul, qui a encore parlé sur ce thème-là, sur ce point-là. Prenons Romains chapitre 2. Romains chapitre 2. Regardons ce qui est écrit en Romains chapitre 2. Il dit à partir du verset 1, ô homme,
est donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi tu juges, tu fais les mêmes choses. Ah! Regardez le verset 3. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échappes au jugement de Dieu? Ah! Vous commencez à comprendre. C'est de ça que Jésus parlait. Et c'est l'Esprit de Jésus qui a donné à Paul d'en parler encore en Romains chapitre 2. Tu commets les mêmes choses, tu n'as pas le droit de porter de jugement sur quelqu'un. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, ne commets pas adultère, alors que toi-même tu commets adultère. Ou encore, ne mens pas, alors que toi-même tu mens. C'est ce que Jésus dit. Règle d'abord ton problème d'adultère. Règle d'abord ton problème de mensonge. Ensuite, tu verras comment dire à quelqu'un, ne mens point ou ne commets pas adultère, car Dieu n'aime pas cela. Mais Jésus ne nous a jamais dit de ne pas juger. Ce verset-là a été travesti par le diable. Et il a mis son interprétation dans le cœur des enfants de Dieu. À telle enseigne aujourd'hui que tout le monde se met en accord pour dire, non, il ne faut pas juger. Il ne faut rien dire. Il faut se taire. Parce que Jésus dit, il ne faut pas juger. Mais ce n'est pas la seule partie. Jésus a continué. Il dit, on te jugera du jugement, donc toi, tu auras jugé. Mais si j'ai jugé selon le mensonge, on me jugera aussi selon le mensonge. Si j'ai jugé selon la vérité, on me jugera selon la vérité. Il dit, quand on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Si j'ai jugé selon la vérité, pourquoi me jugera-t-on selon le mensonge? Et même si on me juge selon le mensonge, Dieu est mon juge. Il sait que j'ai jugé selon la vérité. Jésus ne nous a pas interdit de juger mes frères. Jésus ne nous a pas interdit de porter un jugement. Jésus ne nous a pas dit de nous taire. Jésus n'a pas dit de fermer nos yeux, de fermer nos oreilles. Jésus ne nous rend pas muets. Ah non, non, non. La Bible est claire. Hypocrite, ôte premièrement la poutre qui est dans ton œil. Après, tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. Jésus est en train de donner la méthode pour pouvoir aider les autres. Il donne la méthode pour être un juge parfait, un juge conséquent, un juge qui ne se trompe point, un juge puissant, un juge efficace. Pour être un juge efficace, il faut d'abord que nous-mêmes nous fassions notre toilette. Ainsi, nous pourrons faire la toilette des autres. Mais si dans notre vie, il y a des choses qui ne sont pas de Dieu, nous n'aurons pas assez d'autorité devant le Seigneur et même devant le diable pour l'effrayer, pour dire aux gens, ne faites pas cela, revenez de vos voies. Pourquoi? Parce qu'au moment où nous serons en train de parler, il y a un problème dans notre propre vie. Je ne peux pas être en train de voler de l'argent ou en train de commettre des braquages. Et puis moi, je vais me lever pour me mettre quelque part pour dire, ne braquez point. En tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas être un fumeur dans ma vie privée, me cachant loin des gens et venir sur la chair et dire aux gens, il ne faut pas fumer, Dieu n'aime pas cela. C'est de ça que Jésus parle. Jésus me traitera d'hypocrite. Il trouve que je suis un hypocrite parce que moi-même j'ai une poutre dans mon œil. Comment puis-je dire aux gens, ne fumez pas, alors que moi-même je suis en train de fumer? Je ne peux pas être un bon juge parce qu'il y a à redire sur moi. Oh, souvenez-vous de ce que Jésus avait dit, le diable vient à moi, mais il n'a rien en moi. Rien. Donc frère, nous commençons déjà à voir clair dans cette affaire. Le Seigneur ne nous a pas interdit de juger. Non. Mais il nous conseille de nous nettoyer nous-mêmes avant d'essayer de nettoyer les autres. Et il nous conseille de nettoyer les autres. Il dit, ainsi tu verras comment aider l'autre, comment ôter la paille de l'œil de son frère. Si mon frère a une paille dans son œil, qui va l'aider? C'est moi qui vais l'aider. Si ma soeur a une paille dans son œil, qui va l'aider? C'est moi qui vais l'aider. Si moi j'ai une paille dans mon œil, qui va m'aider? C'est mon frère, c'est ma soeur. Mais s'il n'y a personne pour m'aider, qui ôtera la paille de mon œil? Et si la paille demeure dans mon œil, je suis perdu. Je lâche la vie éternelle. Je vais en enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu personne pour m'aider. C'est ce but-là que le diable veut atteindre. C'est pour cela aujourd'hui qu'il a mis son vénin dans la maison de Dieu avec ce mauvais enseignement, cette fausse science. Comme quoi, il ne faut pas juger. C'est pour que les frères et les
Il faut croire en la parole du Seigneur. Nous sommes protégés parce que nous faisons l'œuvre de Dieu. Et c'est pour le Seigneur que nous parlons. Continuons encore pour voir maintenant qui fait de nous des juges. Regardons en 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons à partir du verset 1. Nous lirons jusqu'au verset 4. Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les injustes et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre le moindre jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les choses de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous prenez pour juge. Alléluia! Voici la bonne nouvelle que l'apôtre Paul nous annonce. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 1 à 4. Nous sommes des juges. C'est nous qui jugerons les anges déchus. C'est nous qui jugerons le diable. Nous sommes des juges. C'est nous qui jugeons le monde. C'est nous qui jugeons tout ce qui se passe sur cette terre. Nous sommes des juges. C'est nous qui proclamons la justice de Dieu. C'est nous qui donnons la position de Dieu. C'est nous qui disons l'opinion de Dieu. Nous sommes des juges, bien-aimés. Nous sommes des juges. Nous ne sommes pas des personnes absentes et insensibles sur cette terre. Nous ne sommes pas inutiles. Mais nous faisons l'œuvre de juge, le travail de juge sur la terre. C'est l'œuvre à laquelle Dieu nous a appelés. C'est pour cela qu'il nous a placés sur la terre. Et c'est ce que Paul dit. Si nous jugerons les anges, à combien plus votre raison ne devons-nous pas rendre les jugements dans les moindres affaires? Quelles sont les moindres affaires? C'est le quotidien de la vie chrétienne. C'est le quotidien des événements qui se déroulent autour de nous. C'est à nous de dire de quel côté se situe la vérité, de quel côté se situe la sainteté, de quel côté se situe le royaume de Dieu. C'est à nous de dire de quel côté se situe ce qui est vrai et de quel côté se situe ce qui est faux. C'est à nous de dire de quel côté se situe la lumière et de quel côté se situe les ténèbres. C'est à nous d'orienter les gens vers la lumière et de ne pas les conduire vers les ténèbres. C'est à nous de dire aux gens, voici le camp de la lumière, voici le camp des ténèbres. Il a été dit à l'apôtre Paul que tu feras passer les gens de la lumière, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à la puissance de Dieu. C'est un travail de juge que de montrer à quelqu'un la voie à suivre. C'est ce que la Bible nous dit, que nous jugerons les anges. Mais si nous jugerons les anges, nous les saints, c'est-à-dire nous tous qui avons cru au Seigneur, est-ce que nous sommes indignes de rendre un point de jugement? Aujourd'hui, il y a des affaires qui se produisent entre frères, entre sœurs, entre serviteurs, entre servantes. Et nous, aujourd'hui, nous ne disons rien. Nous nous taisons sous prétexte que, il ne faut pas juger. Cette parole est du diable, elle n'est pas de Dieu. Voici ce que la Bible te dit, qu'il faut que nous rendions des jugements entre nous, afin que nos affaires se règlent entre nous, afin que nous puissions réellement aller de l'avant et nous sauver les uns les autres. Si nous ne portons pas de jugement, comment sauverons-nous les uns? Comment sauverons-nous les autres? Si j'ai péché, et qu'on dise, on ne doit pas juger, mais qui viendra me dire que j'ai péché? Puisque moi j'ai péché, je prends plaisir à ce que j'ai fait. Qui viendra me dire que j'ai péché? Qui viendra me dire que j'ai mal fait? Si aucun frère ne doit me parler, si aucune soeur ne doit me parler, si aucun serviteur ne doit me parler, qui me dira que j'ai péché? Et si personne ne me dit que j'ai péché, comment vais-je me repentir? Et si je ne me réponds pas, Satan aura ta puissance sur moi. Je lâcherai la vie éternelle et je rejoindrai l'enfer. Je serai perdu. Christ est mort pour moi, mais je suis perdu parce que personne n'a jugé l'acte que j'ai posé. Personne n'a jugé l'œuvre que j'ai faite. La Bible dit, ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et si nous devons juger les anges, à combien plus forte raison devons-nous rendre les moindres jugements? Qui veille sur son frère aujourd'hui? N'est-ce pas la sœur qui veille sur son frère? N'est-ce pas le frère qui veille sur la sœur? Ne sont-ce pas les serviteurs de Dieu qui veillent sur les uns et les autres? Ne sont-ce pas eux à qui Dieu a confié le sacerdoce sur l'autel et qui se mettent à la chair afin d'apporter le jugement de Dieu sur ce qui est bien? Pour que celui qui fait bien soit encouragé à faire bien et que celui qui fait mal se repente du mal qu'il a fait, revienne sur la voie du Seigneur et avance avec les autres frères qui font bien. N'est-ce pas notre rôle que de dire la vérité au sujet de Dieu? N'est-il pas écrit en 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour se réjouit de la vérité, que l'amour se réjouit de la vérité et que l'amour aime la justice? Comment peut-on
péché, si elle ne parle pas de la repentance, et comment peut-on parler de la repentance si on ne dit pas à quelqu'un, réponds-toi, à qui est-ce que la repentance est adressée? À qui? Frère, que croyez-vous que vous faites quand vous vous levez pour aller évangéliser? Mais c'est un jugement que vous portez. Puisque vous jugez que celui à qui vous allez apporter l'évangile est condamné. Et qu'il ne faut pas qu'il reste condamné. Mais il doit se repentir de ses péchés. Il doit croire au Seigneur pour être sauvé. C'est un jugement que vous apportez quand vous évangélisez. Vous ne le savez pas. Quand la Bible dit, vous qui êtes fort, venez à l'aide à ceux qui sont faibles. Qui es-tu, toi, pour dire que l'autre est faible? C'est un jugement que tu apportes. Tu juges son état. Tu juges que son état est un état qui n'est pas favorable. Il faut que tu le soutiennes afin qu'il se relève. N'est-ce pas de l'amour que tu manifestes? Mais c'est un jugement que tu portes. Qu'est-ce que vous croyez quand vous intercédez les uns pour les autres? Que vous faites? Vous jugez. Vous jugez que les gens ont besoin de prière. C'est pour cela que vous priez pour eux. Vous jugez tous les jours. Mais vous ne vous en rendez pas compte. Parce que le sens que les gens ont accordé, que Satan a accordé au jugement aujourd'hui, c'est le sens de condamnation. Juger, c'est donner son opinion sur un point. Juger, c'est présenter la position de Dieu. Juger, c'est donner son avis sur un point, sur un travail, sur un fait, sur un événement, sur une action. Juger, ce n'est pas condamner. Le jugement a pour but de faire ressortir la vérité. Quand on parle à la justice, les magistrats jugent. Que font-ils? Ils décortiquent le cas et l'affaire. Et on fait ressortir la culpabilité de celui qui est prévenu. Ou encore son innocence. Si le fait demande qu'il est coupable, on le condamne. Si le fait demande qu'il est innocent, on le relaxe. Mais il a été possible de voir qu'il est condamné, qu'il est coupable ou innocent qu'après avoir effectué le jugement. Juger, ce n'est pas condamner. Juger, c'est donner son avis sur un fait. Frère, la racine du mot juge fait partie de la même famille que la racine du mot médecin. Un juge. Le mot juge a la même racine que le mot médecin. C'est merveilleux. Satan a accordé un sens péjoratif à juger. Mais c'est un menteur. Et c'est Jésus qui dit la vérité. Et Jésus vous dit en 1 Corinthiens chapitre 6 que vous êtes des juges, frère. Nous sommes des juges. Et c'est une grande fonction que nous devons remplir. Si personne ne juge, l'Église meurt. Comment constatez-vous que certaines communautés avancent et sont fortes dans le monde spirituel? Elles sont puissantes parce que les responsables de cette communauté sont de bons juges. C'est pour cela que ça avance. Dans cette communauté-là, on ne peut pas faire ce qu'on veut. On ne fait pas les œuvres de la chair là-bas pour continuer à se réjouir. Mais là-bas, ce sont de bons juges qui sont installés et qui font un bon travail. Mais les communautés qui sont faibles, qui n'avancent pas, c'est parce que les juges qui sont là-bas ne sont pas de bons juges. Ils craignent l'homme. Ils ne parlent pas, ils ne disent rien. Et chacun fait ce qu'il veut. Alors la communauté meurt. Comment expliquez-vous qu'aujourd'hui il y a beaucoup de rétrogrades? Mais c'est parce que personne n'a jugé les actions qu'ils ont posées. Satan, saisissant l'occasion, a refroidi leur cœur. Nous tuons les gens que nous ne jugeons pas. Nous les tuons. Nous leur faisons du mal. Frère, ne savez-vous pas que l'Église est juge de tout ce qui a rapport à la foi? Dieu est le juge suprême. Mais sur la terre, c'est l'Église qui est juge de tout ce qui a rapport à la foi. C'est l'Église qui est juge. C'est l'Église qui remplit ce rôle-là. Le jugement suprême, c'est aussi le jugement dernier. À ce jugement-là, il n'aura plus l'occasion de se repentir. Mais si aujourd'hui, moi, j'ai péché et que personne ne me donne de revenir sur ma voie, donc vous allez me laisser mourir. Allez devant le jugement éternel, devant le jugement dernier. Là où je n'aurai plus l'occasion de me repentir, ou quand Dieu finira de parler, je vais direct en enfer. C'est là que vous allez dire que vous m'aimiez. Mais si vous m'aimez, aujourd'hui quand je pêche, dites-moi que ce que j'ai fait n'est pas bon. Et vous m'aurez vraiment aimé. Juger, c'est aussi encourager. Juger, c'est encourager ceux qui font bien. Quand on accorde un prix à quelqu'un après un concours, on juge que son travail était meilleur que le travail des autres. C'est encourager. Dans l'église, il y a des personnes qui vivent bien, qui font bien. Il faut les encourager. C'est un jugement qu'on apporte sur eux. Ah! Bien-aimés, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous, les serviteurs de Dieu, nous sommes des juges. Nous, les fidèles, nous sommes des juges.
dire que Jésus a triomphé du diable sur la croix. Qu'il a dépouillé le diable, dépouillé les principautés, dépouillé les dominations. Qu'il a triomphé d'elles en les livrant publiquement à la croix. Il faut que nous le disions. Et quand quelqu'un se donne au Seigneur, il faut que nous lui montrions quelle est la marche qu'il doit suivre afin de saisir la vie éternelle. Regardons ce qui nous est recommandé dans 2 Timothée chapitre 4. Paul dit, verset 2, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous devons continuer de prêcher. Nous devons insister en toute occasion, favorable ou non. Nous devons reprendre, nous devons censurer, nous devons exhorter avec douceur et en instruisant. Le but pour lequel Dieu nous donne cette autorité, c'est bien pour cela. C'est de prêcher, insister, reprendre, censurer. Oui, frère, c'est d'exhorter. Mais nous faisons tout cela en toute douceur, ayant pour but dans le cœur d'emmener les uns et les autres à la repentance, afin qu'ils puissent goûter à la vie éternelle avec nous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes des juges. N'ayons pas peur. Ne nous laissons pas écraser par le système mondial dans lequel nous nous trouvons. Ne nous mêlons pas à la masse, mais suivons le Saint-Esprit. Car nous sommes nés d'esprit. Nous sommes comme le vent. On entend le bruit. On essaie d'où il vient ni où il va. Il n'est pas possible que nous aujourd'hui, nos paroles soient devenues faibles. Nos paroles soient sans autorité, soient sans puissance, soient sans effet. Nos proverbes sont les proverbes du village. Nous ne donnons même plus de proverbes à partir des Écritures. Nos enseignements, nos prédications, nos exhortations ne sont plus tirées de l'Esprit de Dieu qui est écrit dans la Bible. Nous ne tirons plus la puissance de la Bible, mais nous sommes tombés dans le système de la logique et de la philosophie. Faisons attention. Dieu ne nous a pas appelés à cela. Dieu nous a appelés à étudier la Bible et à faire des nations disciplinées, à gagner les âmes au Seigneur, à les emmener dans la maison de Dieu, à leur enseigner comment se conserver pur, à peut-être des vases d'honneur, et maintenant à les prendre pour les déposer dans le royaume de Dieu. Nous sommes des prédicateurs du royaume. Nous devons envoyer les gens dans le royaume, que tu sois diacre, que tu sois intercesseur, que tu sois chantre, que tu sois commando, que tu sois hôtesse, que tu sois pasteur, évangéliste, docteur, prophète, apôtre, que tu sois chargé de la communication. Mais dès lors que tu as donné ta vie à Jésus, tu es un juge. Et en cela, fais ton œuvre, fais ton travail, prêche en toute occasion, insiste, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec douceur, avec amour, avec fermeté. Car Jésus est ferme et doux à la fois. Si tu fais ce travail dans le but de ramener les uns vers le Seigneur, pas dans le but de détruire qui que ce soit, si tu le fais ainsi, Dieu sera avec lui. Jésus a dit, je juge, mais mon jugement est vrai, car le Seigneur, mon Père, est avec moi. Si tu juges selon la vérité, le Père est avec toi et personne ne peut te condamner, personne ne peut t'accuser, car tu fais l'œuvre de ton Père. Alléluia! C'est à cela que Dieu nous a appelés. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous arrose, qu'il vous accorde sa grâce infinie, qui ne se termine jamais, qui se renouvelle chaque matin, qu'il vous fortifie dans l'œuvre, qu'il enlève de vos yeux les mauvaises interprétations du diable, afin qu'aucun de nous ne fasse partie des faux docteurs, des faux temps, mais que nous continuons de prêcher le vrai évangile, l'unique qui est dans les Écritures saintes et qui met Jésus en valeur, sans crainte de l'homme, sans crainte de celui qui peut tuer le corps, mais ne peut rien faire à l'âme, ayant dans notre cœur un amour grand pour nos frères qui doivent être sauvés, pour nos sœurs qui doivent être sauvés. Que Dieu bénisse nos assemblées, que Dieu bénisse nos groupes et que Dieu bénisse notre fonction. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Sur ce, je vous dis à bientôt.